vraiment que cette publicité-là fonctionne. Donc, ça, c'est un des outils. Il y a un autre que je vais vous montrer rapidement qui est très intéressant aussi, qui sont plein d'outils, il y a plein de comme ça. Je vais vous montrer dans la formation, je vous explique qu'est-ce qu'il faut parce que ce n'est pas que tous ces outils, vous devez les utiliser. Mais je vous montre un peu juste à quel niveau, dans quelle direction le digital est en train de partir. Alors ici, par exemple, vous pouvez faire des recherches très intéressantes. Vous pouvez aller, allons, commençons par exemple, chercher des personnes. Dans tout à l'heure, nous avons vu, nous avons mis une parole clé pour chercher. C'est-à-dire que pour chercher des personnes, c'est ce que le coach Ismaël a montré. Ici, là, on va faire la même recherche, mais ça va nous donner beaucoup d'autres informations en plus avec cet outil. Par exemple, je veux les auto-écoles qui sont situées. Mettons, par exemple, toujours, mettons en Côte d'Ivoire. Pourquoi pas? Côte d'Ivoire. Là, on met 15 km. On essaie de voir. Vous voyez, c'est en train de chercher. Ça ne nous a pas donné. Il faut voir. Donc, je mets un autre pays. Mettons un peu, par exemple, Paris. On va voir les informations que ça va nous donner. Parce que l'idée, c'est de faire comment, c'est de gagner en temps dans tout ce que nous faisons pour pouvoir, parce qu'on veut signer rapidement les deals avec les potentiels clients que nous avons. Donc, tous les outils, toutes les techniques de coworking que nous allons, comme vous montrer dans la formation, c'est justement de vous faire gagner en temps, de trouver rapidement les bons clients, des gens qui ont besoin de vous et qui ont des carences dans le digital. C'est ça l'idée. Donc, tous ceux qui font la formation le savent. On vous forme pour pouvoir aller faire les audits, trouver des gens qui ont besoin de comme ça, qui ont besoin de votre assistance. Ouais, extraordinaire, nous sommes là. On a ce que le même résultat qu'on a vu tout à l'heure avec Instant, mais ici, c'est plus ordonné, c'est plus organisé. Vous avez non seulement un numéro de téléphone, vous avez ça, c'est extraordinaire. C'est-à-dire que là, ça vous donne le point déjà de, c'est-à-dire que le niveau de digitalisation de la personne. C'est-à-dire que ça fait déjà un peu l'audit à votre niveau. Et là, vous pouvez maintenant, avec les techniques que nous enseignons à la formation, avec les looms, la prospection personnalisée, vous pouvez déjà faire des looms maintenant en leur expliquant exactement ce qui les manque seulement avec ça. C'est-à-dire que avec déjà ce niveau, vous pouvez déjà les expliquer. Mais c'est pas tout parce que l'outil peut même vous aider à faire des rapports que tu dois envoyer à la personne. Donc, tu peux prospecter des gens, tu les fais directement le rapport de sa situation de communication digitale en ligne, tu l'envoies cadeau. Voilà ta situation, tu es à tel niveau, tu vois, tu as 50% de digitalisation, il te manque telle chose. Tu viens ici, tu passes, tu générer un rapport, on va prendre ce rapport-là. Oui, on va générer un rapport pour vous montrer comment c'est vraiment extraordinaire. On va prendre, par exemple, agence de voyage de Genève. On va gérer le rapport de celui-là. Vous allez voir, c'est-à-dire qu'avec ça, vous générez directement le rapport d'un client. Automatiquement, on va dire sélectionner qu'est-ce qu'on veut, ça mentionne dans notre rapport, on génère ça. Vous allez voir, extraordinaire vraiment avec l'intelligence artificielle, vous pouvez signer des deals depuis le siège de chez vous et décider des clients que vous voulez, choisir les clients que vous voulez parce que là, ça vous donne vraiment une visibilité incroyable. Ça, ce n'est que quelques outils parce que dans les fonctions, dans les updates des formations de la ABA, on va vous donner vraiment du lourd. Donc, pour ceux qui ne sont pas, qui n'ont pas encore rejoint la ABA, vraiment, vous êtes en train de perdre beaucoup, 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 beaucoup de choses. C'est-à-dire que les formations d'aujourd'hui, faire seulement le community manager ne suffit plus. Après, je vais vous parler de ça. Alors, vous voyez, ça nous a généré automatiquement notre rapport. Vous voyez, intéressant. Là, on peut mettre le logo de la personne. Vous explique tout ce que ça vous donne. L'email, la personne a un email sur le site. C'est bon, vous pouvez voir ici le nombre de revues, les reviews, c'est-à-dire les opinions. Vous voyez ici, ça c'est une agence en Suisse que nous avons pris. Vous voyez là, il y a des bons pour ça, c'est pas mal. Ici, nous avons incroyable, ça vous donne même déjà les 5 compétiteurs, c'est-à-dire que les 5 concurrents. Pour ceux qui font notre formation dans le digital, vous vous rappelez l'étape-ci, vous savez à quoi ça fait référence. Et ici, là, c'est pas, c'est vous, mais ça vous propose déjà ça, voilà. On analyse, ça vous montre les images du site. C'est incroyable, c'est vraiment incroyable. Ça prend les captures même d'écran de son site. Mais je vais vous montrer quelque chose d'intéressant. Ça montre que sa page Facebook est active, il a YouTube, il a Instagram. Donc, à partir d'ici, nous pouvons déjà savoir tout ce que le client a, la plupart des choses intéressantes. Mais pour qui est déjà dans notre académie, quand il voit ça, il comprend que ça, c'est l'agent est à côté des portes. Quand il voit ça, il comprend que l'agent est. C'est un signal qu'il y a l'agent à côté. Parce que, vous voyez, il n'y a pas de pixel. Automatiquement, ça fait
le truc. Donc, tu n'as pas besoin d'aller activer même Pixel Helper parce que ça a déjà fait ça à ton haut. Ça te montre aussi les trucs de Google Ads et tout. Donc, ça, c'est vraiment incroyable. Donc, même Google Ads, Google Analytics, le call to action que tu as mis, est-ce qu'il a le call to action à la fin? Et à la fin, ça te pose, ça propose à la personne quelques mains de simplement comment il peut faire pour résoudre ça, tu vois. Et là, nous sommes là. Nous sommes là, si tu as besoin, tu peux télécharger, tu envoies ton client gratuitement et le client va demander que merci beaucoup pour le rapport là, vraiment, comment est-ce que je vais faire pour résoudre ces problèmes? Tu dis, ne t'inquiète pas, moi je suis là pour pouvoir t'aider, donc ne t'inquiète pas, moi je suis là pour résoudre tes problèmes.